Si tu te demandes qui tu es, tu n'es pas le seul. Tu n'es pas apparenté au singe. Et tu as des particularités étonnantes. D'où es-tu venu? Et qui étaient tes ancêtres? Non. Devine encore. Non. Bravo. L'histoire des Lémuriens commence il y a plus de 60 millions d'années. À l'époque des dinosaures. Bien avant que les singes anthropomorphes ou les humains ne voient le jour. Les Lémuriens étaient de petites créatures nocturnes. Et elles ont survécu aux astéroïdes qui ont décimé les dinosaures. Les Lémuriens vivaient en Afrique quand une tempête colossale a entraîné au large un radeau formé d'un enchevêtrement d'arbres et a transformé une famille de minuscules Lémuriens en une race qui compte parmi les plus grands explorateurs de l'histoire de la vie sur Terre. Madagascar, l'île des Lémuriens. Les Lémuriens ont atterri à Madagascar, une île immense isolée du reste du monde. Pendant des millions d'années, il n'y eut là pas d'autres mammifères, ni même d'oiseaux. Sans aucun prédateur, les Lémuriens ont osé sortir en plein jour. Et au fil du temps, ils ont évolué et adopté de nouvelles formes et des tailles d'une diversité prodigieuse. Leurs ancêtres ont aujourd'hui disparu du continent africain. Mais à Madagascar, les Lémuriens ont prospéré et sont devenus les seigneurs de leur magnifique nouvelle patrie.
Les lémuriens sont la plus ancienne branche de primates toujours en vie. Et ils ne vivent qu'en un seul endroit de la Terre, sur l'île de Madagascar. Pour un scientifique qui tente de préserver la riche biodiversité de notre planète, Madagascar est une véritable île au trésor. La professeure Patricia Wright est une primatologue de l'université Stony Brook dans l'État de New York. Elle est spécialiste en repérage de lémuriens rares qui se dérobent au regard. Dans les premières années de sa carrière, son destin a été transformé par un voyage à Madagascar. À l'époque, le pays était en rapide mutation et la bonne fortune des lémuriens était en train de s'évanouir. Je suis d'abord venu à Madagascar pour résoudre l'énigme autour d'un lémurien particulier. Nous craignons que l'espèce ne soit déjà disparue. Ma mission était de le trouver. Jadis, l'appât lémure se trouvait partout sur l'île de Madagascar. Mais on n'en avait pas vu depuis une cinquantaine d'années. J'ai fouillé de long en large pendant des mois sans en voir un seul. J'avais presque abandonné ma quête quand je suis arrivée à Rana Mafan. Là, un matin, en voilà un, vivant, qui savourait son mets préféré, de croustillantes jeunes pousses de bambou. Après cette découverte, Patricia a contribué à sauver cette forêt tropicale humide en en faisant un parc national. Elle a depuis consacré sa vie à la protection des lieux sauvages de Madagascar et aux animaux qui y habitent. Le mot « lémurien » signifie « esprit de la nuit ». Et il y a certes quelque chose d'insondable chez les lémuriens de cette forêt. À Madagascar, ces lémuriens, nommés aussi Indri, sont des créatures sacrées. Une légende dit que les deux frères vivaient ensemble dans la forêt. L'un s'est enfui et est devenu le premier humain. L'autre est resté dans la forêt et est devenu le premier Indri. Il a existé jadis des lémuriens aussi grands que des gorilles. Mais ils ont été chassés jusqu'à leur extinction il y a de cela quelques centaines d'années. Les Indri sont les plus grands des lémuriens restants. Les Indri vivent en petits groupes qui disposent chacun de leur propre territoire. Ils se communiquent entre eux les nouvelles en chantant en duo des airs insolites. Chaque membre de la famille ajoute sa voix
un chœur de chant qui se propage dans les profondeurs de la forêt. Le chant de l'Indri se répercutait jadis bruyamment à travers la forêt tropicale humide de l'est de l'île, mais maintenant il s'estompe graduellement. Aucun Indri n'a survécu en captivité. Alors ce n'est qu'ici, à Madagascar, que vous pouvez l'observer. Ranamafan est situé à la lisière de l'ancienne forêt pluviale où j'avais trouvé les appâts lémures. Oui, c'est très bien. Dans le marché. Les gens des villages avoisinants profitent du parc, mais dépendent toujours de la terre pour vivre. Avant de devenir scientifique, j'étais travailleuse sociale à Brooklyn. Cela m'est naturel de chercher à résoudre des problèmes. Et à Madagascar, les humains et les lumuriens font face aux mêmes problèmes. Des ressources naturelles limitées dont l'un et l'autre ont besoin. Madagascar a été l'un des derniers lieux sur la Terre où les humains se sont établis. Ils ont amené avec eux une espèce de bétail nommé zébu, à qui il faut de grands espaces de pâturage. Depuis leur venue, il y a 2000 ans, les humains ont brûlé près de 90% des forêts malgaches afin de défricher la Terre pour les pâturages et le maraîchage. Chaque saison sèche, des milliers de feux sont allumés sur la surface de l'île. Les feux, allumés dans les champs, échappent au contrôle des fermiers et se propagent en forêt où vivent les lémuriens. C'est le plus grave péril qui menace les espèces sauvages de Madagascar. Au fur et à mesure que s'effondre leur habitat, de nombreuses espèces de lémuriens vivent un déclin. Mais il existe une espèce plus astucieuse,
qui a misé sa survie sur l'adaptation aux conditions environnantes. Le feu ne peut les atteindre ici. Ces bandes de mococos ont trouvé le parfait refuge. Les mococos vivent en groupes de familles étendues. Et l'on observe facilement une caractéristique particulière à ces primates. Ce sont les femelles qui dominent. C'est la femelle alpha qui décide où ils iront et ce qu'ils mangeront. La dirigeante de cette troupe est gênée par une main blessée, mais cela ne change rien à sa position à la tête de la bande. Même la plus petite des femelles domine n'importe quel mâle. Les femelles héritent ce pouvoir de leur mère. Elles le gardent grâce à leur expérience et à leur comportement. Jadis, les mococos occupaient à Madagascar un territoire beaucoup plus vaste. Mais au fur et à mesure que les humains se déployaient sur l'île, les mococos se sont repliés vers les failles de cette forteresse naturelle. Comme des hors-la-loi, ils vivent aux abords de la civilisation, mais multiplient les incursions en territoire agricole. La nuit tombée, les disputes du jour sont oubliées. Les membres de la famille de Mococo se font l'un l'autre la toilette, puis s'endorment affectueusement enroulés en une grosse pelote lémurienne. C'est en s'agglomérant qu'ils survivent. Le quartier général de Petrusha, à Madagascar, est le centre Val-Bio, une station de recherche de pointe, perchée à la limite du parc national Ranamafan,
où vivent 15 espèces de lémuriens. C'est ici qu'elle s'occupe à former une nouvelle génération de scientifiques malgaches et occidentaux en vue d'assurer l'avenir des lémuriens. Presque toute la flore et la faune qu'on trouve à Madagascar est endémique. Elle n'existe nulle part ailleurs sur Terre. Plus on en apprend sur les complexes relations qui les unissent, plus on peut progresser pour protéger la forêt et à moyen terme pour l'étendre. Cette exploration scientifique doit paraître assez mystérieuse. Toutes les nuits, Herman et Victor posent des pièges dans la forêt qui entoure Valbio, dans l'espoir de capturer le plus petit primate du monde. Pour ces microcèbes, c'est comme se faire enlever par des extraterrestres. On les emmène dans un étrange laboratoire où des géants les soumettent à des balayages, des sondes et diverses analyses. Malgré leur petite taille, les microcèbes sont de féroces prédateurs qui sèment la terreur chez les insectes et les grenouilles de leur galaxie. Après quelques heures, les microcèbes sont libérés et rentrent dans leur foyer, avec en prime une histoire invraisemblable à raconter. Mon plus grand bonheur est d'être seul en forêt avec les lémuriens. Ces animaux ont une présence très paisible. L'appât lémure occupe une place spéciale dans mon cœur. Il n'est pas le plus célèbre des lémuriens, ni le plus beau. Mais il a un charme espiègle. Et je suis tombée sous ce charme. Il y en avait jadis 10 millions, mais ils sont maintenant dangereusement menacés. Et ces spécimens semblent être les deux seuls à vivre dans cette forêt protégée. Ce père et sa fille sont seuls depuis 2 ans, quand la mère a disparu. Pour que l'espèce survive, je dois les aider de toute urgence. Il leur faut des conjoints venus de l'extérieur du parc. Et c'est moi qui ferai office de marieuse. Dans toute l'île de Madagascar, les scientifiques malgaches travaillent d'arrache-pied à protéger les lémuriens. La professeure Anta Rasami Manana travaille dans la forêt épineuse. Un habitat étrange peuplé de forbes et d'arbres ressemblant à des cactus épineux. Elle est recenseur et elle est à la recherche de son lémurien préféré, le Propithèque.
Les propithèques sont très curieux. Quand ils me voient prendre des notes, ils s'approchent pour m'observer. Tout comme s'ils étaient eux aussi des primatologues. Les propithèques ne boivent pas d'eau. Ils absorbent par les fruits et les petites feuilles coincées entre les épines des plantes toute l'humidité dont ils ont besoin. Je les suis depuis 20 ans et ils continuent à m'étonner. J'apprends à mes étudiants que les lémuriens sont les trésors vivants de l'île de Madagascar. Mais ce qui étonne le plus, chez les propithèques, c'est leur pas de danse. Après des mois d'exploration, l'équipe de Patricia a enfin repéré un nouveau groupe d'apalémures qui pourrait s'accoupler avec la famille vivant dans le parc national. L'habitat est dans un état terrible. Je veux dire, il est très détérioré. Mais je suis très soulagée, vraiment très soulagée, parce que ça fait si longtemps que nous traquons ces bêtes. Il faut les piéger aujourd'hui. Quand nous avons enfin atteint les Lémuriens, des feux brûlaient partout dans la forêt. J'espérais que nous n'arriverions pas trop tard. Ils les ont capturés juste à temps. Mais un autre pan de forêt a été détruit. Regardez si elle a du lait ou si elle est enceinte. De retour à Valbio, les lémuriens réchappés sont mis sous sédatif et examinés pour s'assurer qu'ils n'ont pas de parasites ni de maladies. Maintenant, on pose aux lémuriens des colliers émetteurs pour que les scientifiques puissent facilement suivre leur progression. J'observe ces animaux depuis tellement d'années, mais c'est la première fois que j'en tiens un dans mes bras. Tu es tellement belle. Oh, si impressionnante. Je croyais ton espèce disparue. Ce serait une perte fatale. De si jolies bêtes.
Mais maintenant, vous allez vivre dans le grand parc. Ouais. Peu après, Patricia amène les lémuriens réchappés dans un enclos dans la forêt pluviale afin qu'ils se familiarisent avec l'environnement avant de se confronter à ses autres résidents. Les enjeux étaient importants et je ne savais pas à quoi m'attendre. Tomberait-il amoureux ? Y aurait-il une bagarre ? Allait-il même réussir à se trouver ? Le jour suivant, le père et sa fille ont découvert la cage et se sont rendus compte qu'ils n'étaient plus seuls. N'attendez pas un coup de foudre. Il faut qu'il fasse connaissance. Mais c'est peut-être le début d'un grand amour. Tout se passe bien. L'an prochain, nous aurons des nouveaux-nés dans le parc. C'est comme ça que nous sauverons ces lémuriens. Une génération à la fois. Partout à Madagascar, les lémuriens doivent livrer bataille pour survivre. Mais la balance commence, ici et là, à pencher de leur côté. Certains villageois qui déclenchaient des incendies se sont mis à les combattre. Et grâce à des personnes comme Hanta, les enfants initient leurs aînés à la conservation et apprennent à éviter les erreurs faites par leurs ancêtres.
les Lémuriens sont arrivés à Madagascar en naufragé. Leur aventure épique dure depuis 60 millions d'années. Le destin a emporté les Lémuriens jusqu'à Madagascar. Mais le hasard ne suffira pas à les garder en vie bien longtemps. Il leur faudra notre aide. Plus je connais les Lémuriens, et plus je les aime. Et je veux partager mon affection pour ces incroyables bêtes avec toute la planète. L'histoire des Lémuriens est véritablement miraculeuse. Maintenant, c'est à nous de faire en sorte qu'elle se poursuive. Car après tout, les meilleures histoires que nous offre la nature sont celles qui sont sans fin. Tumbo ni sanzana, asu timbisi.